Eh bien, salut tout le monde, bande de coquins, c'est Monsieur Petit Padawa. Aujourd'hui, on se retrouve, les gars, pour l'achat-revente du jour, pour voir ce qu'on a vendu ou pas aujourd'hui. Donc, c'est le début d'une autre série. Je sais que je débute beaucoup de séries en ce moment même. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal vendu. Donc, voilà. Donc, on commence avec du Mathieu Valbuena, acheté 21 000, revendu 31 000. Ça marche très très bien en tech 59. À la fin de la vidéo, je vous montrerai un joueur qui marche vraiment super bien. Donc, après, ensuite, nous avons du Benteke Liverpool, faut faire attention. J'en ai vendu beaucoup. J'en ai vendu à peu près 5. Je vous montrerai après, je suis en différé. Ensuite, nous avons du Fabregas Up, les gars. Donc, ça marche vraiment super bien. En fait, tous ces joueurs, c'est en tech 3000, les gars. Merci pour les 50 abonnés au passage. Donc, deuxième Benteke. Donc, voilà. Nous avons un troisième Benteke, un quatrième et un cinquième. Donc, on a vendu 5 Benteke. C'est quand même assez énorme, les gars. Ensuite, nous avons du Leno que j'ai fait un petit peu en tech 59. Même pas besoin d'attendre beaucoup. Ça marche. Donc, voilà pourquoi je fais des joueurs. Parce qu'il y a une compétition où il faut des joueurs de Serie A et de Liga BBVA, si je me trompe pas. Et une compétition solo où il faut de la Bundes, je crois. Enfin, je sais plus. Parce que là, d'ici, je ne vois pas. Donc, voilà. Et la liste des transferts, on continue. Donc, après, on a eu du Schweinsteiger chopé à 4500, revendu 7500. Donc, ça, c'était un petit coup de tech 59, les gars. Ensuite, nous avons du Pitchek, donc à 6800, du Pitchek, allez-y, il se vend au max maintenant, donc allez-y les gars. Clichy, ça marche très très bien, le meilleur c'est Benteke, donc voilà. Après, on a du Clichy, le Clichy il marche très bien, on a fait un petit peu de tech 59 dessus. Après, nous avons du Koscielny E, faut faire attention, on en a vendu 2, 3. 3, toujours 3. Donc on en a vendu que 3 et j'en ai encore plein sur ma liste des transferts. Donc après Koscielny, on a du Aspilicueta. Ça marche très très bien, faut faire attention, faut prendre le up. Comme tous les joueurs de cette liste. Donc du Aspilicueta, du encore un petit Clichy. Donc c'est le deuxième Clichy. Encore un autre Aspilicueta. Un petit Diego Costa, comme je vous ai dit dans ma vidéo d'hier, que ça, c'était le meilleur. Franchement, ça marche vraiment super bien. Aujourd'hui, l'achat-revente, ça a moins marché qu'hier. Ensuite, nous avons du Karim Benzema qui marche bien. Mais bon, c'est juste que je l'avais dans mon équipe et que j'ai revendu toute mon équipe, que je l'ai mis en tech 3000. Ensuite, nous avons du Benteke Liverpool, encore une fois, du Ramirez. C'était juste pour faire un essai, mais bon, il est parti au bout de plusieurs relances. Et un autre Benteke Liverpool, un autre Cesc Fabregas, up. Et du Alba que je viens d'acheter, qui est vendu tout de suite. Et là, je vais vous montrer un joueur qui marche très très bien en tech 59. Je vais vous montrer comment ça s'écrit. C'est du Florenzi. Je l'avais déjà sur... je l'avais déjà sur... dans mon équipe concept. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez le prendre, vous allez le chercher sur le marché des transferts. Ensuite, vous allez dans le transfert... Et vous allez le voir apparaître. Et un coup de tech 59 dessus, ça marche vraiment super bien. Donc allez-y dessus, ça marche vraiment super. Donc je vais essayer d'en choper. Moi, j'en ai chopé plein. Malheureusement, je les ai enlevés pour cette vidéo. J'ai pas fait attention. Donc voilà, ils tombent souvent au prix mini. Et son prix mini, c'est 19 000. Et vous le revendez 34 000, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc voilà pour cette fin de vidéo, j'espère que vous allez liker, abonnez-vous, ça fait plaisir, on est 52 maintenant sur la chaîne, je vous invite d'aller faire un petit tour, voilà, sur ma liste des transferts, et moi je vous dis tchuss.